Saint-Pierre est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune fait partie du parc naturel régional des Baronnies Provençales, créé en 2015. Ses habitants sont appelés les Orpierrois. Typologie. Orpierre est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Laragne-Montéglin, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe une dizaine de communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. Toponymie, le nom de la localité apparaît sous la forme occitane Orpera en 1177, et sous la forme latine Oripetra en 1241, dans les archives des chevaliers de l'ordre des Hospitaliers Saint-Jean de Jérusalem, Oripetra en 1309, et Orpierre dès 1516. Peut-être de adjectifs féminins occitans, aro, laide, affreuse, et peiro, pierre, rocher, orida petra en latin, le rocher effrayant, réinterprété au XIIIe siècle, en oripetra, le rocher de l'or, beaucoup plus valorisant. L'atténuation ou même l'abolition du sens premier d'un toponyme sont ainsi souvent l'effet recherché par ce processus de réinterprétation. Des noms qui paraissent malsonnants, déplaisants sont ainsi transformés pour devenir plus présentables, ainsi la localité qui dans le Val d'Oise actuel qui s'appelait Aquaputa, la mauvaise eau, au XIIe siècle, s'est appelée ensuite Aquebona, et aujourd'hui Aubonne. Histoire. Le vieux centre d'Orpierre est un village médiéval du XIVe siècle, autrefois siège du prince d'Orange, plus couramment appelé « le Vieux ». La légende veut qu'à cette époque il était possible de traverser la ville à cheval par les souterrains. Bien que les caves comportent de nombreuses portes murées, donnant dans celles de maisons adjacentes, les portes semblent trop basses pour donner raison à la légende. D'autres vestiges ont été trouvés à Orpierre, dont des traces romaines et un historien affirme y avoir vu une pierre dressée qui l'a distinguée comme menhir préhistorique. Des barbares envahisseurs défilèrent dans les vallées, lombards, sarrasins. Les habitants des fermes dispersées dans la campagne ne se sentirent plus en sécurité,
et se regroupèrent au pied d'une tour fortifiée, qui constitua l'embryon du village féodal. Puis intervinrent des conflits religieux dévastateurs. Vers 1560, un disciple de Calvin, Guillaume Farel, vint prêcher dans la région et très vite, Orpierre et Trescléou se convertirent au protestantisme. Commença alors une période très troublée. L'église d'Orpierre fut saccagée. C'est à la bataille de Lagrand, entre catholiques et protestants, que près de 1000 huguenots trouvèrent la mort. En représailles, les protestants détruisirent en partie le prieuré de Lagrand. Orpierre fut alors fortifié par les huguenots, qui construisirent une citadelle. Orpierre devint une place forte protestante. Après la Saint-Barthélemy, nombre de protestants vinrent trouver refuge à Orpierre, quartier de la Bourgade. La publication de l'édit de Nantes ramena la paix dans le village d'Orpierre, et un canon fut fondu pour en faire la cloche d'une horloge publique. Cette cloche, devenue monument historique, égrène les heures pour les Orpierrois depuis 4 siècles. La paix fut de courte durée. Après la mort d'Henri IV, les hostilités reprirent entre les deux communautés. Sur ordre royal, la citadelle fut démolie et plus tard, une grande partie des remparts. La révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV a contraint une grande partie de la communauté protestante à l'exil, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, et ce fut le début du déclin du village. La dernière dynastie, propriétaire d'Orpierre après la mort de Guillaume III, prince d'Orange et roi d'Angleterre, fut celle des Contis de la famille royale de Bourbon. À la Révolution, en raison de son rôle historique passé, Orpierre fut choisi comme chef-lieu de canton, qu'il est toujours. La communauté protestante put faire reconstruire un temple inauguré en 1840. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la Grande Rue était le seul passage pour la circulation dans la vallée. La route qui contourne le village contre les anciens remparts ne fut ouverte qu'en 1848. La population d'Orpierre, qui était encore de près de 1000 habitants au début du XIXe, n'a cessé de baisser jusque dans les années 1970. Elle amorce actuellement un revirement de bon augure pour l'avenir du village, le tourisme culturel et sportif, escalade, l'installation de jeunes couples, de nouveaux artisans, lieux et monuments. Orpierre est surtout connu comme site d'escalade. Les grimpeurs qui pratiquent ce sport sur les 9 falaises de calcaire qui surplombent le village effectuent environ 50 000 passages chaque année. La mairie est propriétaire de la plupart des falaises et l'un de ses employés est chargé de l'équipement des rochers. Les premières voies ont été ouvertes au cours des années 1980. En 2012, leur nombre avoisine les 450. L'établissement Les Lavandes, maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisé, MEX, accueille 40 enfants souffrant de troubles des apprentissages sévères et spécifiques, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie. Foire aux fruits anciens. Depuis 2003, une foire aux fruits anciens se tient à Orpierre le samedi avant la Toussaint. C'est une renaissance des foires d'automne qui se tenaient dans la région. On y redécouvre la biodiversité oubliée, les savoir-faire anciens et les techniques nouvelles de la production de fruits de la vallée qui étaient réputées autrefois. Cet événement connaît une renommée de plus en plus grande qui dépasse l'échelon régional maintenant.